Allons, la recherche de la belle Siri. Ils ont des chaperons, vivre des boutons. Est-ce que vous avez un forgeron pas loin? Bon, c'est pas l'équipe, mais c'est gentil. Carte du monde. Oh, un marchand. Sympa. Bonjour, c'est pour vendre. Rebonjour. Alors, ah non. Intéressé par des souvenirs du Majeramas en fin de... Montrez-moi ce que vous avez. Ah, 10 000 pièces d'or. Quatre pièces d'or. Ah. C'est sympa celle-là. Plus 32. On va changer de stuff. Petit changement de stuff. Moi j'ai remis des moufles. Rebonjour. Bonjour. Intéressé par des souvenirs du Majeramas en fin de compte. Ils sont toujours avant. Oui, vivre. Montrez-moi ce que vous avez. Je le tiens ça. Au revoir. Au revoir. Bon. Siri. Ma maman te passe le bonjour. Non, je vais parler à Siri. Pas chourer du salpêtre. Tu cherches quelque chose de précis? Une jolie petite babiole. Tu comptes l'offrir à quelqu'un? Une des personnes dont je t'ai parlé. Je veux la remercier. On peut y aller? Très bien, on y. Après toi. Nous devons nous rendre sur l'île du Temple. Tu t'intéresses à la religion maintenant? Non, pas vraiment. Allons-y. On y est presque.
peux savoir où on va ? Rendre visite au petit bâtard. Oh ! Rodar, il est mort. Zoltan m'a pourtant dit que je le trouverais sur l'île du Tchad. Vas-y, Lan, N87, comment vas-tu ? Depuis que je lui ai planté mon épée dans le ventre. T'as dû mal viser alors. Il a repris des forces. Quoi ? Mais je l'ai tué, le petit bâtard ! La présence même est un affront au feu éternel. Tu peux me dire pourquoi tu fais ça ? Je veux le regarder dans les yeux. Et après ? Je sais pas. Ça dépendra de lui. Où c'est vous les gens ? Oh. Pas un live de futur, un autre live de futur. Oh, bon. Ça va, merci. C'est pas plus mal ou pas? Quoi? Je viens voir le bâtard. Il attend de la visite, alors foutez-moi le camp, bande de... grosse merde. Oh. Moi qui pensais pouvoir faire ça en douceur. Dégagez avant qu'on vous refasse le portrait. Je vous garantis que même les filles de chez 4 l'estropiés ne voudront plus de vous. Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez pas compris ? C'était trop compliqué ? Foutez le camp ! Sale petite garce. Ouh ! Il a traité Siri de petite garce ! Fallait pas traiter Siri de petite garce. Gérald qui ? Gérald. Oh, oh là là. Il fallait le dire tout de suite. Tout m'est confuse. Je ne voulais pas vous embêter. Le bâtard vous attend. C'était bizarre. Très. Le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'ils font là ? On va pas tarder à le savoir. Ça va, grande maison ? On ne se prive de rien, le petit bâtard. Après, oui, c'est un très bon jeu, le 3, franchement. Tiens, tiens, tiens. Regardez qui... Tiens, tiens, tiens. Regardez qui n'est pas mort. Vous avez enfin trouvé votre petite protégée, à ce que je vois. C'est pas mort, toi. Il a l'air d'être plutôt en forme. Ah, vous croyez vraiment m'avoir tué, Gérald ? Mais je suis un homme plein de ressources. Oui, Cartman. Toi, petite sorcière, je te conseille de la fermer. Ça suffit. Je vais finir ce que t'as commencé. Arrête ! Arrête ! C'est moi, Doudou ! Doudou Biberveld ! Vous m'avez pas reconnu ? Doudou ? Siri, attends. Après le vol, une fois les coffres de Dijkstra vidés, tu t'es volatilisé. Comment je t'ai retrouvé ? Réponds, vite. Dans la cour des bouchers, la pièce de Priscilla. Tu m'as traîné sur scène. Rengaine ton épée, Siri. C'est bien lui. Bon sang, j'ai eu la peur de ma vie. Ouais. Il fallait y penser avant de prendre la place du bâtard. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Doudou ? Quand on s'est enfui, j'ai paniqué. Je savais qu'il finirait par me retrouver tôt ou tard. J'ai pris ma décision sans réfléchir. Personne d'autre que nous ne savait qu'il était mort. Alors je saisis ma chance. Personne ne pleura le petit bâtard. De toute sa misérable existence, il n'avait aidé personne. Il ne fit son entrée dans la bonne société qu'une fois mort. Il paraît que tout le monde a droit à une seconde chance. Je souscris. D'une certaine manière, le bâtard a eu la sienne, grâce à une créature, un Doppler, nommé Doudou. Même ça se voyait à son œil. Courage, Doudou. Doudou. Je suis le premier surpris. Oh, à propos, je suis vraiment soulagé de te savoir saine et sauve, Siri. Et moi, je suis soulagé de pas t'avoir tranché la gorge. Quelqu'un pourrait découvrir la supercherie. Les hommes de Willy sont trop bêtes. Et ses collègues ne valent guère mieux.
Même toi, tu n'y as vu que du feu. Oui, et ça aurait pu mal finir pour toi. J'avoue, parfois je me laisse prendre au jeu. Mais, en général, je suis prudent. Te voilà devenu un véritable homme d'affaires. Doudou a toujours eu un don pour les chiffres. Gérer des bordels et des casinos, c'est dans ses cordes. Je vous en prie, madame. Je suis un homme respectable. 2 semaines après la mort de Willy, j'ai annoncé que j'avais vu la lumière du feu. J'ai vendu toutes ces activités illégales pour devenir un honnête commerçant. Les hommes du bâtard n'ont pas protesté? Non. Grâce à mes contacts dans les guildes, mes affaires sont florissantes. Les bénéfices ont doublé. Pas mal. Je peux t'assurer que les hommes de Willy ne trouvent rien à y redire du moment que leur bourse... J'avoue, cirer la classe. On doit partir. Oui, nous devons encore passer à l'esturgeon doré. C'était un plaisir de vous revoir tous les deux. Faites attention à vous. Toi aussi. Au revoir, Doudou. Bon, il faut qu'on aille à l'esturgeon doré. Qu'est-ce qu'on va faire à l'esturgeon? Voir une fille qui m'a aidé. Ah oui? Qui est-ce? C'est une amie de Jasper. Elle s'appelle Béa. Elle travaille comme serveuse à l'esturgeon doré. C'est elle qui m'a aidé à trouver Jasper. Je veux la remercier. Ah, Béa! Le gros risque. Oh là 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 là, ça date qu'il y a presque un an! Oh là! Si on l'avait vue avec moi, elle risquait le fouet. Pire. Tu as un don pour t'attirer des hommes. Je tiens ça de toi. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'as du sang elf, toi, non? Non. Une fois, j'ai visité une ville qui ressemblait beaucoup travail. À Arad. Mais ses habitants étaient bien plus grands et basanés. C'était en Zerikania? Non, dans un autre monde. Quel effet ça fait de passer d'un monde à l'autre? C'est comme traverser un portail ou c'est différent? C'est un peu différent. Au début, c'était difficile. J'avais du mal à contrôler mon pouvoir. Je devais énormément me concentrer, tout en espérant ne pas atterrir dans le cratère d'un volcan. L'entraînement que m'a fait suivre Avalar m'a été... Oh, mon cul. Maintenant... Mais déjà, c'est très gentil de ta part d'être passé. De fermer les yeux... J'espère que ton rendez-vous va bien se passer. Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleures affaires. Novigrade, c'est un état d'esprit. Oh bah ok. Mais si tout se passe bien... On va profiter. Je t'ai donné une chance, t'aurais dû la prendre. J'ai que faire de ce que vous me donnez. Tu vas le regretter, sale truie. Vous avez une drôle de façon de parler aux dames. Vous mêlez pas de ça, c'est pas vos affaires. Je crois bien que si. T'es qu'un sale mutant. Oui, c'est un mutant. Ouais, c'est ça. C'est le boucher de Blanchefleur. Il a fait quoi? Il a tué tous les arbres. Fais pas le con, Yugen. Il a massacré la moitié du village et traîné les chevins et sa femme derrière son cheval jusqu'à Novigrad. On fera mieux de se tirer d'ici. Vous devriez écouter votre ami. Oh, désolé. Merci. Ils étaient plus menaçants que d'habitude. C'est parce que tu leur tiens tête. Quoi? J'ai refusé des non-humains pour faire plaisir à ces salauds? Pas question. Je suis contente de te revoir, Béa. Moi aussi, Siri. Et qui est ton charmant compagnon? Gérald de Rive. Et t'as combien de PV à la base? Enchanté, Gérald. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vraiment? Bon, bien, j'espère. Oh, oui. Elle m'a raconté comment vous l'avez sorti du pétrin des centaines de fois. Et comment vous arrivez toujours à la faire rire.
Elle m'a aussi dit que vous aimez les femmes. Béa, tu me dis si je te gêne. Eh bien, j'arrête. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui vous amène? Je voulais te remercier pour ton aide. Oh, aide, tu veux. N'importe qui aurait fait la même chose à ma place. Non, sans doute pas. Et certainement pas avec autant de courage. Merci. Je t'ai apporté un petit souvenir. Oh, trois fois rien. Oh, mais c'est magnifique. Merci, Siri. Vous restez manger. Le patron a tué un porcelet ce matin. Ah, c'est pas mal. Ouais. Mais je dois faire un tour au faubourg. Ah, tu vas voir Valdo, hein? Allez, file alors. Tu trouveras de quoi manger là-bas, pas de doute. Au revoir, Siri. Les yeux de Siri sont magnifiques. Prenez bien soin d'elle. Je le répète à chaque fois. Hein. Non, Siri, on va où maintenant? Bravo, sorcelle. Dis-moi. Une nouvelle balade. Ton amie Béa. Oui. Non, rien. Elle est un joli brin de fille. Gérald. Tu es... Qu'est-ce qu'on va faire dans les faubourgs? Voir une troupe de cirque itinérant. C'est non. La dernière fois que je suis venue ici, je voulais prendre contact avec Triss. Ça n'a pas été simple. J'ai vite dépensé tout ce que le baron m'avait donné. Finalement, j'ai pas pu rencontrer Triss à cause de la garde du temple. Après ça, j'ai été activement recherchée. Et Triss, elle n'a pas essayé de te retrouver? Comment aurait-elle pu? Elle ignorait tout. Elle pensait rencontrer une alchimiste cherchant à fuir Novigrad. Je voulais pas mettre sa vie en danger. Ah, l'univers de Fable. Alors, j'ai fait Fable 1 et 2. J'ai rencontré Valdo. Et contrairement, The Witcher passe largement mieux par rapport à Fable. Tu connais la suite de l'histoire? C'est tout. Ce qui me déplaît dans les fables, c'est... J'ai trop de charisme. Où est-il, ce fameux ami? Il est là, Valdo. Ce qui m'a un peu déplu dans les fables, c'est que... Siri, petite diablesse, où étais-tu passée? Approche, ma belle. Et qui est ce vieillard? Ton grand-père? Non, mon père. Tu es incorrigible. Je te présente Gérald de Rive. Ah, bienvenue, l'ami. Siri nous a beaucoup parlé de vous. Bonjour. Merci d'avoir aidé Siri. Oh, mais nous n'avons pas eu le choix. Qui pourrait lui refuser quelque chose? Ça fait sacrément plaisir de te voir. Tu as de la chance de nous trouver ici. On lève le camp demain matin. Vous partez? Les non-humains ne sont plus les bienvenus dans cette ville. Ah, c'est des elfes. Nous de changer d'air. Je comprends. Le problème, c'est que nos deux chevaux sont morts. Et les deux autres ont connu des jours meilleurs. Oui, mais je ne m'en fais pas. Tout va s'arranger. Qui sait ce qui peut arriver d'ici à demain? C'est ça. Continue à ne pas t'en faire. Moi, je vais essayer d'échanger nos canassons contre un cheval en bonne santé. Il ne faudrait pas que ce pauvre Valdo s'inquiète pour nous. On peut vous aider, peut-être. Non, on se débrouillera. On se débrouille toujours, pas vrai, Siri? Quel bon vent t'amène? Je suis venu m'excuser. J'ai disparu sans prévenir. Et... Le plus important, c'est que tu sois en bonne santé. C'est pas mal aussi comme idée. Tout ce que vous m'avez prêté. Et un petit extra. Tu peux devenir un Doppler, ouais. Je peux pas accepter. Un homme riche. Tu n'as pas le choix, tu sais. On était un Doppler, ouais. J'ai trouvé. On va en faire l'objet d'un pari. Une petite course? Avec plaisir. Dans ce cas, je te défie. Et vous, Gérald, qu'en dites-vous? Avec plaisir. Ah, voilà un homme comme je les aime. Fais ton non. Choix, Gérald. J'arrive. C'est qui cet homme dodo là-bas? Tu étais plus rapide autrefois. Je te laisse un peu d'avance. Non mais Siri, t'es devant. Plus vite.
Attention, tu vas tomber. Pardon. Tu commences à fatiguer? Pas du tout. Je prends le temps d'admirer le paysage. Mais c'est ça, je sais pas bien, mais je te laisse de l'avance. Je me défends encore pas mal. Je t'ai laissé gagner. Mais bien sûr. Une belle course. Bon, ça mérite une petite fête. Passez donc la soirée avec nous. Nous allons percer un fût de bière de Kedwen. Tout le monde va se rassembler autour du feu. La nuit sera belle. Et là, tu vois, il pleut des cordes. Il tombe des cordes. Ça me regarde peut-être pas, mais je suis contente que Yennefer et toi soyez enfin ensemble. Moi aussi. Vous avez pris votre temps. Je crois qu'il nous fallait du temps pour nous faire à l'idée. Alors, ça t'a fait quoi quand la magie du vœu s'est dissipée? Qu'as-tu ressenti? Eh bien, on se trouvait sur une cime, rien que tous les deux. Je l'ai regardé et... Mais non, ils étaient sur un bateau. Et j'ai senti que je me trouvais exactement où il fallait. Enfin. Ah, ça, j'ai un prépa. Ok. Un peu de vin? Merci. Je suis contente d'être restée. Moi aussi. Je crois qu'ils t'aiment bien. Moi aussi, je les aime. Ah, oh, si je pouvais me joindre à eux. Boire, faire la course et voyager de ville en ville, sans jamais penser à l'avenir. L'avenir te fait peur? Oui, tout ce qui nous attend. Vaincre la chasse ne sera pas facile, c'est vrai. Mais avec la loge et Avalar à nos côtés, je suis confiant. J'ai bien peur que ce ne soit que le début. Pour moi, en tout cas. Pourquoi? Que veux-tu dire? Ouais. J'avais promis. Et tu y as cru? Parfois, j'aimerais être comme eux. La vie de sorceleur est parfois un lourd fardeau. Ouais, tout comme mon héritage. J'aimerais tellement être ordinaire. Oui, je te fais la découverte du jeu. Ta vie n'appartient qu'à toi. Tu peux forger ta propre destinée. Tu sais que ce n'est pas vrai, Geralt. Tout ça à cause du sang ancien. C'est une vraie malédiction. Oui. Lui, je n'aurai pas tous ses pouvoirs. Comme tout le monde. J'aurais mené une vie tranquille. Non. Tu n'es pas obligé de te plier à ta destinée. Facile à dire. J'ai déjà essayé de lutter, tu t'en souviens? Si, j'ai commencé avec toi au début. Il paraît que quelqu'un d'autre se chargera de faire de ma vie un enfer. Bah, c'est tout bon d'un prénom. Mon père, Yennefer. La liste est longue. Sans oublier Avalar. Sauf si tu t'appelles numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Avalar est différent des autres. Il veut avant tout éviter que mon don n'échappe à mon contrôle. C'est pour ça qu'il veille sur moi et qu'il m'enseigne son savoir. J'aime pas mon prénom. Ah, c'est pour ça. Si tu le dis. De quoi t'as commencé? Parce que moi aussi j'ai commencé avec toi au début. T'as commencé quoi avec moi au début? Peut-être. Mais certainement pas avant très très longtemps. Et de toute manière, je suis sûre qu'il me laissera le choix.
pourrais refuser si je veux. J'espère que tu as raison. Bah après, c'est toi qui as choisi de t'appeler Dylan Hunt comme ça. De... J'apprendrai à jongler comme lui. Quel talent. Ah, alors t'as appris avec moi. Oh, c'est gentil. Alors, vous avez vu le marchand? Vous avez réussi à lui acheter des chevaux? Oh, ne m'en parlez pas. Il a refusé mon offre d'échange et quand j'ai proposé d'acheter une bête, il m'en a demandé un bras. Pourtant, nous avons besoin de chevaux. Il va falloir trouver un autre moyen. Oh oh, ça sent les ennuis. J'étais sûr que ça te plairait. L'idée, c'est de nous glisser dans l'écurie du marchand. Moi aussi, oui. Mais après, j'irai peut-être pas te chercher à savoir si t'es appelé véritablement Jean-Kevin. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Voilà. Il doit bien y avoir un autre moyen. Écoutez, j'ai un peu d'argent de côté. Je pourrais vous faire une avance. Nous ne pourrions jamais vous rembourser une telle somme. Ce n'est pas grave. C'est très généreux, mais ça ne change rien à la situation. Plus le problème, c'est que le marchand ne voulait pas faire affaire avec moi. Il m'a gentiment expliqué qu'il ne traitait pas avec la mère. S'il refuse de vendre, merci du coup, nous n'avons pas d'autre choix que de le voler. Je comprends, mais ça reste une mauvaise idée. Oh, ne fais pas ton rabat-joie, Gérald. Le marchand ne sera pas ruiné. Et puis ça nous détournera un peu les idées de la chasse sauvage. Allez, s'il te plaît. Bon rendez-vous et peut-être à plus tard. Et merci pour le bon jeu, Dylan. Taisez-vous, parce que t'es chouette. Et merci d'être venu. Tout ceci ne me concerne pas. Concerne-moi. Ce sont mes amis. Ils se débrouilleront bien tout seuls. Bon, entre Ska... C'est cramé, il y a un bruit là. De quoi? Si Ciri veut chevaucher avec nous, c'est son droit. Il t'appartient. Je comprends plus rien, ce track là. Pas question qu'elle risque sa peau pour une bande de chamardeurs. Tu peux me le récaper, pète, s'il te plaît? Oh! Coucou Sans! Bonne pause! Ah, il va y avoir un bruit. Ah oui, ok. Je comprends mieux, Zoudrak. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou, quoi? Vous trouvez que le moment est bien choisi pour une bagarre? J'ai eu un petit désaccord avec l'ami de Ciri. Ciri, pardonne-moi, mais je crois que vous feriez mieux de partir. Oui, je comprends. Désolée. Mais elle a voulu que je sors des chevaux. Alors je pouvais lui acheter. Aller au bord de la rivière. J'ai besoin d'être seule pendant un moment. Excuse-moi, Ciri. Ne t'excuse pas. T'as simplement agi selon ta nature. On se retrouve chez Jesquier. D'accord? Pareil, je m'attendais à pire. Bah. Bonjour le Caire, ravi de te rencontrer.
C'est très gentil de venir te taper la cruste là, ok. Oui, j'ai le hockey. C'est con, on a brûlé toutes les sorcières. Mais non, je vais boire, pas de soucis, j'arrive juste où je dois aller. Oh! Voilà. Allez, où y'en. Ah mince, j'ai oublié l'escalier. Gérald. Que se passe-t-il? Rien pour le moment, mais j'ai un pressentiment. Philippa et Margaretha veulent me parler. Dit, mais j'ai ma petite idée. Je suis sûre qu'elles veulent m'informer des grands projets qu'elles ont pour moi. Tu n'as rien à craindre. Vas-y et écoute ce qu'elles ont à te dire. Et si elles veulent me forcer à faire quelque chose? Ça m'étonnerait qu'elles y parviennent. Margaretha ne se soucie que de ton éducation. Elle n'est pas du genre à t'entraîner dans des intrigues politiques. Philippa est plus dangereuse, mais elle respecte ceux qui restent fidèles à leur principe. Si elle te fait une offre et que tu la refuses fermement, elle n'insistera pas. Merci, Gérald. Vas-y, ne leur laisse pas trop le temps de m'influencer. Avec elle. Si elle veut être prise au sérieux, je ne peux pas lui tenir la main. C'est vrai. Bonne décision. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Rita ne lui fera pas de mal. Philippa, elle est impitoyable. Ciri a connu pire, tu sais. Elle s'en est toujours bien sortie. Je sais, nous lui avons inculqué des principes, appris à se défendre. Exactement. Tout va bien se passer. Bien sûr. Je vais juste jeter un œil. Et la porte à sous. C'est de Rita et de Philippa dont je doute. Dans ce cas, pourquoi avoir autorisé cette réunion? Pour la même raison que toi. Si Rita et Philippa voient Ciri accrochée à mes jupes, elles ne la respecteront pas. Bah alors? Que vois-tu? Philippa pontifie, comme d'habitude. Ciri fait les 100 pas. Elle s'est arrêtée. Elle lui dit quelque chose. Philippa est toute pâle. C'est bien ma Ciri, ça. Elle ne se laisse pas impressionner. Chut, elle arrive. Alors? Vous avez écouté à la porte? Non. Oui. Non. Vous n'avez pas changé tous les deux. Hé! Seul un instant pour digérer tout ça. Oui, je vais prendre l'air. Je dois réfléchir. N'oublie pas que nous devons partir pour Skellige. Avalar nous attend encore. Je n'ai pas oublié. À plus tard.
Ah là 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 là. Oui, bah, il est de faire, oui, un petit peu ses spots. Un petit peu. Ah non, bah, c'est bon, je suis là. Je suis large. Assez large. On peut peut-être déposer des trucs, là. Trier les objets par toi. Ah oui, à ce point là, enfin j'ai pas fait les deux premiers donc. J'ai du mal à me rendre compte. C'est vraiment joli par ici. Le Radovid, il est mort. Je te déconseille, même pas, les faire. Ah, tu veux pas que je les fasse? De toute façon, je les ai pas. Je... Même si je voulais les faire, je pourrais pas. Parce que je ne les ai pas. Je n'ai pas The Witcher 1 et 2. Tu vas nous fiche la paix. Ah, je vais peut-être dû sauvegarder. Protégez Ciri de la chasse sauvage et l'empereur vous accordera l'amnistie. J'espère qu'on peut te faire confiance. Vous pouvez. Et pour Fringilla? Je ne sais pas, mais je lui en parlerai. Venez à peine de vous retrouver que vous complotez déjà. Que veux-tu? C'est dans notre nature. L'empereur de les gracier. Coucou Ashu! Comment vas-tu Ashu? J'ai du mal à croire que l'empereur ait pu conclure un tel marché. N'y crois pas si ça te change. Ça ne change rien pour moi. Moi j'ai baissé le son. Faut exprès de mon côté. C'est quoi cette histoire à propos de Fringilla? Ah bah j'ai reçu mes nouvelles oreilles! Pas étonnant vu qu'elle croupit dans une geôle impériale, enchaînée avec du diméritium. Du moins c'est la théorie de Rita. Bah, il est aussi bien que celui qui avait raison. Ça me demandait un peu d'adaptation parce que. Il faut que j'arrive à bouger mes appareils. Ça ne faisait pas partie de notre accord. J'ai pas mal aux oreilles. Il est un peu plus lourd que l'autre. J'ai une petite discussion avec l'empereur. Viens, tout le monde. Je vais pas. D'habitude. Attends, je sauvegarde. Parce que je sors. Je sens que ça va être la merde. D'aller à Skellige. Je serais bien aller jouer avec les autres, mais tout à l'heure, enfin vers 17h pour faire une roulette. Seulement, bah, y a tout le monde, et tu sais que
Quand il y a trop de personnes, j'aime pas. J'aime pas quand il y a trop de bruit. Donc je sais pas comment je vais faire pour faire mes roulettes tout à l'heure. Je me pose la question. Parce que j'ai l'autorisation, j'ai ton autorisation, je fais la lumière d'Ozrek et de Yo-Yo. Mais j'ai pas l'autorisation ni de Locke ni de Nalwen. Et... enfin... c'est pas que j'ai pas envie. Bah tu peux rester là, il y a de la place si tu veux, j'ouvre le stream de... je vais sur ton stream à toi. Je crois que je peux y aller sur le chat. Bah si tu veux, je vais sur le stream à Shura. Ou sur ton Didi, là. Si tu veux discuter. Tu me dis... ou si, sauf si tu vas stream. Tu me dis où je te rejoue, au pire. Alors, le bateau. Gérald. Non, rien. Je veux pas te parler. À plus tard. Ouais, tu me dis. Et je te rejoins, si je peux. Ok. Et... je suis là. Pop, pop. Alors, Aval. Là. Tout le monde est là. Tu es le dernier. Nous pouvons appareiller. Ok, bon. Si tu restes dans le coin. Si tu restes dans le coin, ça me va tout aussi bien. On peut discuter comme ça aussi. Si tu as envie. Toujours de la place. Mais... j'étais en plein doute parce que aussi... quand j'ai vu tout le monde arriver ce matin, parce qu'ils sont là depuis ce matin, quand j'ai vu arriver tout le monde, et ben, j'étais pas bien du tout, quoi. Et ma connexion internet m'a sauvé la vie parce qu'elle a coupé tout. Elle a trop de bruit et du coup ça m'a viré du Discord. Ok. Bon, je fais bon, c'est pas grave. Ça m'a en fait, ça m'a remis en cause dans le sens si j'avais eu raison de. Ouais, c'était bien tombé. J'ai envoyé un MP à Yo-Yo, j'ai prévenu que c'était une coupure internet. Et après, je suis pas retournée dans la conversation. J'ai répondu. Mais Yann, qu'est-ce que tu viens de faire là? Avec des bateaux. En tout cas, inutile de nous demander où est l'empereur à présent. Quoi? Il veut conquérir Skellige? Mais il sait pourtant que ce sont mes amis. Il veut offrir les îles avec Sintra et le reste de l'Empire. Voyons le bon côté des choses. Comment ça? L'empereur devra nous aider à affronter la chasse. Et nous venons de retrouver Frigila Vidé. Donc ouais, ça m'a remis en cause dans le sens si j'allais rester sur le serveur ou pas, si j'allais pas changer mon personnage de serveur, enfin, et si j'allais pas passer du côté... Oui, il est très bien entouré. Donc ça m'a remis pas mal en cause parce que... j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place sur Discord avec tout le monde. Dans le sens que, voilà, enfin, j'étais pas vivable pendant un certain temps. Et là, je commence à redevenir à peu près sociable. Et je les vois tous arriver. Nous avons besoin de Fringilla Vigo.
Ça changera rien, vu qu'Alissa et les autres sont sur notre Discord. Attends. Pour le moment, nous ne savons toujours pas ce qu'est la pierre de soleil. Elle a été créée pour permettre aux elfes des montagnes d'invoquer les vaisseaux des NL. Pourquoi Ali ? Aujourd'hui, elle n'est plus que le symbole d'une opportunité manquée d'unir les deux tribus. Mais ils sont pas sur le tien, si ? Attends. Ah non. Pas du tout. Alors non. Je t'en prie. J'adore les légendes elfes. Ça aurait pu. Mais non. Des elfes du Gaul. Tomba un jour sous le charme de Gillian, une elfe. Non. Mais la belle repoussa ses avances. Pardon, mais je crois que Gérald plaisantait. J'y ai pensé, mais non. De toute façon, vous ne perdrez rien. Pour la simple et bonne raison que ça allait rien changer. Elban offrit à Gillian la pierre de soleil. Il espérait qu'avec le temps, Gillian aurait son cœur. Ce jour venu, elle n'aurait alors qu'à utiliser la pierre de soleil et Galban, où qu'il se trouve, viendrait la retrouver. Fascinant. Espérons que cette pierre de soleil ne soit plus utile qu'à cette pauvre femme. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir... Dans le sens que si je passais sur le... Mais moi, oui, bien sûr. On va dire dans la celle de Ali, ça allait rien changer parce que... Il y aurait encore les copains, les, enfin, tu vois de qui je parle, sur le Discord, et du coup, ils seraient toujours là, donc... La pierre se trouve à l'endroit où la Blanche Armada... Que j'ai pas fait exprès, j'ai réfléchi quand j'ai quitté mon ancienne CL pour venir vous rejoindre parce que je me suis dit, je passe beaucoup plus de temps avec eux, à jouer avec eux, et c'est pas pour une raison inutile si j'ai rejoint le Discord de Yo-Yo parce que en fait je faisais pas partie de votre CL et du coup maintenant, chose est résolue, j'ai rejoint votre CL, mais c'est trop risqué. Je comprends qu'il y a un partenariat, mais il pourrait nous épargner tout ça. On en discutera plus tard. Tu sauras peut-être trouver les bons mots pour ne remettre au fond de la loge. Fringilla est un problème plus épineux. Elle est l'un de ses sujets et a été condamnée à mort pour trahison. Tu devras découvrir quels sont les projets d'Emir à son sujet. Une fois que nous aurons réussi à te faire monter sur le vaisseau amiral. Je vais me débrouiller pour monter à bord. Comment tu comptes t'y prendre ? À la nage ? Avec tes épées sur le dos ? Tu feras une cible de choix pour les archers de l'Empereur, mon pauvre Gérald. Ne t'en fais pas, il trouvera bien un moyen. Tu devrais opérer de nuit, tu augmenteras ainsi tes chances de succès. Une fois à bord, montre cette lettre à Sa Majesté Impériale. Dissidium, vous dites non ! Nous devons lui rappeler sa joie, Dissidium. Il obtiendra en retour. Je m'en vais. Bonne chance. On voit mon... Mais Achou, on voit mon truc de chez moi. Sur celui-là de droite. Ah, à gauche, pardon. Mais oui, en fait, on parlait de ça ce matin. Oui,
de jamais rouiller. C'était dur de tuer cette poule. Très bonne crête. Vous avez vu ces chiens d'escabeau noir dans leur coquille de noix. Ils aboient. Si, peut-être. Oui, je les ai vus. Où est Sakasori? Il est parti voir Lugos. Un Ancrate sur le trône, c'était déjà dur à avaler. Est-ce que, Ashur, tu viendrais avec moi faire mes roulettes, s'il te plaît, tout à l'heure? Le druide est parti raisonner cet abruti. Je pense que je vais aller rejoindre Sakasori. Je dois lui parler. Allez-y. Quand Alieu va rentrer. Si vous voyez cet imbécile de Lugos, dites-lui bien que... Oh, merci. Là, j'ai pas pu les faire. Adieu. Sakasori. Ah, Sakasori. Attention à ce que tu fais. Attends, c'est l'antre du loup. L'antre du loup. Et c'est auprès de ton truc de ta grande compagnie. Il voulait faire du CJ. Ouais, on va y aller. Apparemment. Donc c'est l'antre du Louis, c'est la grande compagnie. Ta grande compagnie. Ah non, si t'appartiens au Maelstrom, faut aller voir Alimsa Lumsa. Si c'est de Vipère, c'est Gridania. Et si c'est les Immortels, bah, il faut être niveau 30. 30 minimum. Il s'en est passé des choses. Vous revoici. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Au revoir. Adieu. Adieu. Tu veux vraiment me faire passer par là? Pour aller là-bas? Salut Yorel, comment vas-tu? Allez, poney. Allez, carte du monde. Si je peux récupérer celui-là. Allez, où le poney? Comment vas-tu, Yorel? Bah, je pense que tu vas... Mmh.
tu veux faire passer par les montagnes. Tu veux me faire faire le grand tour. Bon bah après, ça dépend, là bon. Tu emmènes où? Pas par où? Plus vite. Oui, j'ai fini avec le Vigras, j'ai fait Prison Break. Pardon, les Necker, que c'est vous? Elle monte. Alors, j'ai vu la scène où Philippa voulait voir Ciri, donc j'ai fait quoi? J'y suis pas allée, donc j'ai laissé Ciri y aller toute seule. Yann a voulu zioter, mais moi j'ai pas voulu. J'ai dit que Ciri était assez grande pour se gérer ses petites affaires. Et puis... Voilà, laissez Ciri et Yann à épier. C'est ça, je voudrais que tu bien si c'est passé. Et là, mon GPS est en panne. Ça va, Chou, tu tiens le coup? Ah bah là j'ai plus de GPS donc je sais même pas ça jouer. Donc il faut que je contourne la montagne. On est d'accord. Donc on continue jusqu'au village. Traverse le village. Ça y est, le GPS est réparé. Je vais pas me faire demi-tour là. T'es sérieux? On peut récupérer ça. C'est bien, Ablette. Hop, hop, hop. Avant de repartir, on va faire ça.